Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du DK Challenge. Et vous vous dites, mais pourquoi on voit le ciel? Pourquoi on voit la lune? Pourquoi c'est la nuit? Alors c'est la nuit puisque tout le monde dort déjà. Et parce que après les horreurs de la guerre, après cet hiver rude et difficile, le printemps est enfin arrivé. Et quand le printemps arrive, on a envie de changement, on a envie de nouveauté. On a aussi des gens qui se baladent avec des bonnets sur la tête et une femme qui se balade avec un cuir. Tout va bien. Nous sommes bien dans le Ticket Challenge. Et je vous présente le relooking de la maison. Le manoir s'est fait une petite beauté, un petit ravalement de façade. Les deux Saint-Paul ont eu envie de clarté après ces sombres années avec la guerre qui a fait rage et la perte de leurs proches. Nous avons eu envie de revoir la maison. Donc la maison a été relookée en blanc. Mince, il y a un petit bout là qui reste en marron. Bref, c'est pas très grave. Nous avons aussi revu rapidement le jardin. Il n'y a pas grand-chose. J'ai bougé les petites balançoires et j'ai reculé un peu l'espace mariage. Mais il n'y a pas beaucoup de choses. En tout cas, l'extérieur, c'est déjà pas mal. Il y a par contre quelques changements pour l'intérieur. Et ça, je vais vous montrer tout de suite. Première nouveauté pour la maison. Nous sommes à l'étage, au palier. Vous voyez que. Ah, c'est Marguerite qui est enceinte. Vous voyez que ben, le papier peint a changé. J'ai mis quelque chose de plus clair et j'ai aussi rajouté une fenêtre pour qu'on puisse avoir de la lumière. Et voilà. Je ne sais pas si vous l'entendez, elle est en train de dire hello! Et ici, ben, oh là là, mais il y a vachement plus de portes que la dernière fois. Oui, il y a eu des changements. Hein, il y a Bernard qui se pointe. Il y a eu des changements dans ben, l'étage, tout simplement. Je vous fais visiter. La chambre de comment s'appelle déjà Germaine. Oh là là, mais oui, elle a. Il n'y a plus qu'un seul lit. Il n'y a plus qu'un seul lit. Elle est vachement plus petite. Pourquoi ça s'allume? Parce qu'elle va se lever, j'imagine. Voilà, donc on a une chambre ici. Nous avons une deuxième chambre là. Bon, c'est tout pile au palier, mais j'ai pas trop touché comme ça aux formes de la maison. Et nous avons une deux. Sixième chambre ici où on a la petite Simone qui fait dodo. D'ailleurs, j'ai mis des nouvelles trucs là, lumière qu'il faut que je fasse l'éclairage automatique. Et c'est la même chose pour en face. On va rentrer dans une chambre où nous n'avons plus que deux lits. Les garçons, bah oui, j'avais quand même trois garçons, donc forcément. On arrive ici à une autre nouvelle chambre bah, avec un seul lit pour voilà, comme ça. Effectivement, les filles auront plus de chance, mais là j'ai trois filles, donc il va falloir quand même que je transforme une chambre de garçon en chambre de fille. Et ici, nous avons toujours la chambre d'Albert, fut un temps, puis de tout le monde, tout ça, mais. Et en face, touc, on a la chambre futon de Louise. Et on va aller dans la salle de bain que j'ai un petit peu aménagée quand même. Voilà, j'ai mis juste un peu des carreaux sur le sol. Et le petit paravent pour faire un peu d'intimité. J'ai quand même mis des petits aussi des petits rideaux. Et je pense que c'est tout pour l'instant, en tout cas pour la nouveauté dans la maison. J'ai rien fait dans la salle de bain ici. Ah si, j'ai rajouté un mur pour que quand ils font pipi, ils voient pas tout de suite. Voilà. Normalement, ça se fait pas, je le sais. Si ça vous dérange, eh ben, je ferai autrement. Mais voilà, hein, comme ça, on a six chambres à l'étage et non plus quatre. Ça fait beaucoup, mais écoutez, les deux Saint-Paul sont une grande fortune maintenant, donc ça ne m'a pas coûté vraiment grand-chose de faire ces aménagements-là. Et puis voilà, ça ramène un peu de nouveauté dans le manoir. Et oui, donc Marguerite est bien enceinte. Deuxième trimestre en 23 heures, donc à 5h45 peut-être, un truc comme ça. À 5h du matin à peu près, on a su donc elle. Oh, et elle tombera enceinte à peu près au même moment. Oh, on n'a pas le temps, on remplace. J'ai pas fait de petits changements aussi dans la cuisine, je ne sais plus. Hein. J'ai remis la table comme ça, parce que là, c'est les fêtes de fin d'année sont finies, donc on n'a pas besoin. Donc l'horloge ici, non, il n'y a pas trop de changements dans le reste de la maison. Je pense que vous avez vu l'essentiel. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et ici, on retourne au salon. Voilà, il n'y a plus de déco, il y a juste une assiette qui pue là-bas. Donc voilà, c'est déjà pas mal quand même. Hein. Eh bien, première journée d'école dans pas longtemps pour la petite Simone. Donc, elle va aller manger. Et puis, ah, on a une vie de météo mystérieuse. Donc, on va avoir tous les temps possibles imaginables avec de la neige, de la pluie, de l'orage, des ouragans, tout ça. Donc, elle va aller manger. Et puis après, elle ira à l'école, hein, tout simplement.
Marguerite, elle vomit. Génial. Tu peux utiliser les toilettes aussi, et puis tu retourneras au lit parce que, à un moment donné, c'est plus possible. Oh, mais t'as déjà un bide énorme. Ah oui, c'est vrai aussi. J'ai changé la coupe de cheveux de Marguerite. Elle se met aussi à la mode des années 1920. Il faut bien y passer, hein, maintenant. Fini les cheveux longs, on passe aux cheveux courts. Allez, bonne journée d'école à toi, Simonette. Tu vas faire tout de suite connaissance avec des enfants pour pouvoir te marier le plus rapidement possible. Non, je fais ça. Mais un peu quand même. Disons que je serai un peu peut-être moins rushée que pendant les années 1910, parce qu'avec la guerre, tout ça, j'étais obligée d'aller vite. Bon alors, il est beau mon manoir, non? Regardez, ça change tout. Ah ouais, non mais j'avais envie. Voilà. Et puis je me dis c'est la bonne période pour le faire, donc pourquoi pas. Le jardin reprend forme humaine. Non. Ça va quoi commencer avec les téléphones là? Vous êtes chiant. Tu peux t'occuper du jardin un peu? Tout arroser, tiens. Fut un temps, Jojo, elle faisait le jardin avec son mari, hein, quand ils n'avaient pas encore d'enfants. Ben voilà, maintenant les enfants sont quasiment tous grands. Voilà, on va être bien. Et on va aussi récupérer pas mal de thunes, oui, on est quand même à 52 000 simflouz. Le printemps va être sympa, je pense qu'on va récupérer pas mal de sous. Mais je pense aussi que je vais mettre Marguerite au boulot pour tout ça, quoi. Il faudra que tu récoltes aussi tes carottes, hein, pour avoir un petit gars, pour avoir un petit blond, un petit de Saint-Paul. Oui, petit gars, quoi, tout simplement. Oh, mais oui, regarde, t'as plein de carottes. Allez, Marguerite, une carotte. La bonne carotte crue qui sort tout juste de terre, même pas lavée et tout. Oh là là, et encore une. Ah, c'est bon. Ah oui, elle a bien aimé ça. Est-ce que tu peux me faire une composition? Toutes les compositions. Regarde, des jacinthes. Hein, on en a plusieurs dans ton inventaire, tout ça, Marguerite et Jacinthe. Tu vas me faire une compo de jacinthe. Ce sera déjà bien. Si tu pouvais te mettre un peu à travailler, ce serait pas mal, quoi. Ah! Ça y est, c'est la pluie maintenant. Hé! Hey, je t'ai jamais dit d'avoir un parapluie, gars! Où est-ce que t'as chopé un parapluie? Non, tu vas être entraîné un peu. Composer un morceau. Un morceau péchu. D'accord. Écrire des blagues, s'entraîner à jouer de la musique. C'est marrant, il a même pas besoin de le faire, à chaque fois c'est terminé. C'est bizarre quand même, non? Comme s'il avait déjà trop le niveau. Mais bon, on va quand même le faire jouer et puis le faire gagner de la thune, hein. Ce sera pas plus mal, hein. Travaille dans 3 heures en plus. Puis il joue tellement bien! Oh là là! Mais attendez! Non, ça va aller à l'abri, hein. Parce que punaise, on s'est occupé des plantes juste à temps, quoi. On a le linge qui sèche, tout va bien. J'ai comme l'impression que. Elle l'aime beaucoup, le petit Lucas, là. Discuter du stress. C'est plein des problèmes. Rentre vite, toi aussi. Ben oui, c'est de l'orage. Mais pourquoi vous avez un parapluie? Mais je vous ai pas demandé de. Il n'y a pas de truc de parapluie. Vous n'avez pas de parapluie, normalement. C'est une blague, elle se balade à l'intérieur avec son parapluie. Non, mais dis. Ouh! Oh bah on est bien, ça y est, c'est vraiment les orages. Mais rentre, idiote! Et con, elle aussi. T'es comme ta mère, hein, Simone? T'es aussi con que ta mère. La mère buggée. Non, mais... T'as fait ta compo, toi, là-bas? Oui, ok. Tu vas ajouter un vase... Confetti de fête. Super! Et on pourrait la revendre si, Simflouz. Bah dis donc, on va être riche avec ça. On va mettre ça là. Et tu vas m'en refaire un autre, hein. Faut pas déconner non plus. Toutes. Et tu vas. Je vais me faire celui-là. Voilà. Oh non, elle a un projet scolaire. Ah non, il y a un projet scolaire. Ouais, il y a juste assez de place dans le salon. Allez, vas-y. Premier jour d'école, projet scolaire. Non, mais quand même. Hein. C'est pas de bol, hein, Simone. Hein. C'est pas de bol. Ah! Mamie Jo, elle veut faire une lessive! Avec ce temps! Mais elle est folle! T'as changé l'eau? Non, c'est bon, ouais, dis donc, il y a celle qui se motive, moi je vais rien dire. Non mais voilà. Voilà.
Non mais... Tu vas le mettre dans le panier là, espèce de bouffonne! Non mais... Jo, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens sénile là, c'est plus possible hein. Tu récupères le linge! Au secours! Et lui, il continue à faire son piano. Allez, tu vas aller au boulot. Oh punaise, il est tout jaune de partout. Zut. Bon, c'est pas grave. Il fera ce qu'il pourra. Il n'est pas plus inspiré, c'est dommage. Et c'est l'heure du travail. Ah, et puis on a Irène qui pleure là. Viens, viens, viens l'allaiter là. Viens lui donner ton nichon. Bercer, parler. Et arrête avec ton parapluie. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont à mettre un parapluie là? Moi, il n'y a pas mis de parapluie. Oh là. Ça y est. Ça devient grave. L'heure est grave. Et l'autre, elle remet dans le panier à linge. Non, mais Jojo, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est sénile! Elle est sénile! Tu es sénile, Jo. Tu as 105 ans? Ouais. Et ben, tu es vieille et tu es sénile. C'est en 5 jours. Après, je sais pas si c'est vraiment des années. Mais ça va plus, quoi. C'est la débandade. En fait, je disais qu'elle l'aime bien, mais c'est pas du tout le cas. Ils s'entendent pas du tout. Ouais, tu vas lui demander de partir, quoi. Barre-toi, vas-y, mec. Qu'est-ce que tu nous casses les couilles, là? Dépêche-toi, monsieur, partez. On ne veut pas vous voir dans notre maison. Albert a un délai très important qui approche et doit absolument trouver un moyen de le respecter. Que doit-il faire? Se cacher dans un placard, demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est... Gain de performance moyen. Bon, c'est toujours ça de fait. La pauvre Germaine, elle va se préparer son gâteau elle-même, puisque là, tout le monde est occupé. Parce que... C'est pas ça que vous voulez, la petite? Oh, elle a fait colique. Ah non, ça truc qui est sale. Allez, mamie. Occupe-toi de Irène. Ouais, voilà. Elle se sent mieux comme ça, Irénette. Irène est la divine enfant. Lol. Quelle blague de merde! Vas-y, tu vas lui parler, tout seul dans tes bras, tout ça. Voilà, la petite, ça va bien. Parce qu'en fait, ma main, elle apprend à parler à... comment ça s'appelle? Gisèle! Elle apprend à parler à Gisèle. Et elle fait son propre gâteau. Elle va avoir du mal, je crois. Ne mange pas le gâteau! Ne mange pas le gâteau! Ah! Il est horrible! Qualité médiocre! C'est la première fois que je vois un gâteau d'anniversaire de qualité médiocre. J'étais pourtant certaine que... Ouais, comme ça, personne n'en mangera. J'étais pourtant certaine que oui, que n'importe quel skill de cuisine permettait de faire des bons gâteaux, quoi. Mais en fait, pas du tout. Mélancolie adolescente. Personne ne m'aime. Personne ne m'aimera jamais. Pourquoi ne pas tout laisser tomber? Je t'aimerai toujours. Tu veux voir où t'en es, toi? Empathie, ça va, se débrouille. Bon, elle clignote, hein, donc on va inviter les gens aussi. Allez, on est parti pour l'anniversaire. Oh là, mais qu'est-ce que tu nous fais? Hé, quand je vous dis qu'elle est sénile, viens là! En plus, tu nous fais de la lessive pour rien, espèce d'idiote. Oh là 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 là, changer de tenue. Allez, tu mets ta belle robe. S'il te plaît. Bon, on a invité des gens. Non mais tu vas pas être couché non plus, toi. Ça suffit, ça suffit. Vous arrêtez vos conneries. On va accueillir nos invités comme Gustave. Voilà, Gustave. Gustave, il est voilà, partager la grande nouvelle, faire connaissance, discuter sans intérêt. Voilà. Et puis en plus, il va commencer, il neige. Là, on a la belle Louise. Et puis regardez, oh, ça c'est Gustave en gros plan. Nous avons Mireille qui a grandi, qui est devenue une petite fille. Et ça c'est trop cool. Donc ça c'est toi qui vas t'en occuper. C'est voilà, amical. Et on avait Lulu aussi. Ouais, Lulu est là. Présentation amusante. Comme ça, les cousins-cousines seront bien intégrés dans la maison. Alors, on a Albert qui ramenait 240 simflouzes à la maison. Ben, dis donc, mon pauvre. Il est dans un état. Ah! Tu vas rapidement te laver le cul. Juste un rapide. Voilà. Après, il est déjà 23 h, donc c'est vrai que ça fait tard pour l'anniversaire. On va pas tarder. Ils sont tout beaux. Regardez-moi les petites tenues qu'ils nous ont mis pour l'anniversaire. C'est génial. Tiens, tu vas partager aussi. Ah, mais tu la connais pas, Louise. C'est une blague. Elle a jamais parlé à Louise. La blague.
Qu'est-ce qu'elle est belle, Louise. Oh, ça remettra pas, hein, de sa beauté. Allez, go! On va souffler les bougies. Est-ce que je dois avoir un truc spécial pour les bougies? Non. 1920, on n'a pas tiré les dés pour avoir un trait spécial. Quand je serai adulte. Oh, comment ça t'entraîner? Casser couilles avec leur ninja, là, quand même. Allez, happy birthday, German! Elle est responsable. Elle est sûre d'elle, amatrice d'art. Elle a le truc culinaire, c'est très bien. Et on va la faire. C'est chiant. Adore nature. Matérialiste. Allez, go. Et oui, d'ailleurs, Gustave, il est papa. Et je vais aller voir de suite. On va voir avec notre petite Jojo. Quelle est la chose? Gustave, il a Audrey. Il a eu une fille avec Sophie. Ok, ben voilà. Voilà, l'arbre généalogique. On a Marina, on a Audrey et on a Oliver. Et puis on a bien sûr ceux qu'on connaissait déjà. Oh, mais c'est Arthur qui nous fait l'honneur de sa présence. Oh, il n'a pas l'air d'être. Il va casser la maison poupée, je suis sûre. Non? Ah non, il va jouer avec un nouveau joujou, ouais, que j'avais installé. Un petit truc upstairs, machin, un truc muche. Toi, t'es sûr que tu veux prendre un bain? Je suis pas sûre que ce soit très utile, tu sais. Va plutôt aux toilettes et puis va te coucher. Je pense que, à l'heure qu'il est. Toi, je t'avais pas demandé de t'occuper de Gisèle, hein. Tu la laisses tranquille, la petite, elle saura faire sa life, hein. Tu vas te coucher tout court. Oui, alors en fait, quand on leur demande de se coucher, je sais pas pourquoi, ils ont toujours ce bug d'aller bah, s'occuper d'un bon bain. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un truc de fantôme, là. Hein. Ça fait peur quand même un petit peu, non? Vous trouvez pas? Bon, Mamie Jo, tu vas manger, tu vas te coucher. Hein. C'est comme ça pu aller, voilà. Tout le monde, toi, tu vas aller au lit aussi. Non, toi, tu vas aller pisser avant, parce que je vois que ça presse. Tu vas. Hop et hop. La petite, elle est fatiguée. Elle va se coucher toute seule comme une grande. On va finir l'anniversaire comme ça. Tout le monde rentre chez soi. Même le petit Lulu. Et même la petite Louise. Oh, comment elle marche? Elle est vraiment cassée en deux, quoi. Là, c'est vraiment la vieillesse, quoi. Oh, vieillesse ennemie, hein. Arthur, tu fais quoi là? Tu vas pas tout casser, hein? Ah non, il préfère hanter les casseroles. Ok, très bien. Bon bah écoutez, tout le monde est au lit. Il n'y a que Louise qui est restée pour manger un morceau. Hein, gourmande va. Et je vais vous laisser là-dessus, je pense, pour cet épisode. On a Arthur qui hante encore les lieux. Il ne sait pas. On va peut-être lui donner l'opportunité de trouver le repos. Après, peut-être pas encore. Non, je préférais peut-être, genre, inviter son garçon. Sa femme et son garçon un soir qui viennent dormir et que lui s'il sort de sa tombe il pourrait les voir, ça pourrait être bien. Mais par contre, oui, tout ce qui va être pierre noire, je vais peut-être le laisser repartir vers l'au-delà assez rapidement. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un message, un like ou à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite du Decades Challenge ou d'autres choses. Allez, salut!